Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul Stampin' Up du mois de février. Donc je vais vous montrer un peu les petites choses que j'ai choisies ce mois-ci. Ce ne sont de nouveau que des nouveautés qui viennent du catalogue printemps-été 2021. Et je suis contente car j'ai réussi à avoir certains produits qui étaient en livraison différée depuis un certain temps et que j'avais vraiment envie d'essayer. Alors, la première chose que j'ai pris, c'est les dies poinçons messages. Donc, c'est la première fois, une des premières fois que je ne prends pas un ensemble coordonné chez Stampin' Up. Je vous explique pourquoi. En fait, à la base, c'est un set de tampons à messages qui n'existe qu'en anglais. Et où il y a ce superbe dies où, en fait, tous les messages correspondent à une petite étiquette. Et comme je trouve qu'on n'a jamais trop d'étiquettes, moi j'adore en mettre partout dans mes mini-albums, sur mes cartes. Je trouve que ça ajoute toujours un peu de volume et de détail. J'ai eu envie de prendre uniquement le dies. Donc j'ai déjà, excusez-moi pour la vue, j'ai déjà fait les exemples d'étiquettes. Donc vous voyez, vous en avez vraiment de toutes les formes. Des festonnés, des arrondis, certaines qui ont une petite finition couture, des petites bannières comme ceci. Et vous en avez vraiment de toutes les sortes. Je trouve que c'est hyper sympa pour faire toutes nos petites créations. Voilà, donc c'était la première chose. Ensuite, j'ai pris le kit Forever and Always. Donc en fait j'adore ce kit principalement à cause des deux grosses écritures ici et des fleurs qui vont très bien à coloriser. Donc je les ai pris en tampon transparent et j'ai pris avec bien sûr les dies coordonnées que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on peut faire la découpe autour des fleurs, on peut faire la découpe autour des tampons Always et Love, ou alors juste découper le papier, les mots Always et Love. On peut faire le tour des fleurs. Voilà, on peut également faire le tour de certaines écritures. Donc je trouve que c'est vraiment un kit hyper sympa pour la Saint-Valentin et qui change un peu parce qu'il y a pas mal d'écritures et surtout ce sont des mots en anglais, mais des mots en anglais que tout le monde connaît, hein. Love, Always, voilà. Ensuite, j'ai enfin réussi à avoir mon coup de cœur absolu du mini catalogue. C'est le lot avec les petits kangourous. C'est vraiment, mais vraiment trop mignon. Voilà, ce sont les tampons clés. On a tous les petits kangourous, des petits messages. Et bien sûr, on a les dies qui sont assortis. Voilà, et en fait, ce que j'adore, et je vous ai fait un exemple pour vous le montrer, c'est que vous pouvez très bien faire le petit kangourou. Et en fait, au moment de la découpe, vous avez une petite encoche qui se découpe ici, où vous pouvez mettre des messages, ou alors, par exemple, le petit bébé kangourou. Je trouve que c'est vraiment, mais trop mignon, et j'hésite même à faire part de naissance avec ça. Donc voilà, c'est un kit qui se trouve très vite en livraison différée, qui a eu énormément de succès dans ce catalogue, et honnêtement je comprends parce que c'est tellement mignon tous ces petits personnages. Je trouve que ça peut aller sur plein de thèmes différents. J'ai aussi pris la collection de papier de la Saint-Valentin. Donc c'est du papier spécial de la série Je t'aimerai toujours. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc il me semble qu'on a deux feuilles de chaque. Donc ce n'est pas du recto verso parce que c'est du papier spécial. Donc voilà exactement ce que je voulais vous montrer. Vous voyez la finition de ce papier, mais c'est juste mais magnifique. Donc je retire ce que j'ai dit, vous en avez 4 de chaque. Voilà, vous avez ce rose un peu clair. Non mais c'est foilé, c'est juste magnifique. Ensuite vous avez un rose un peu plus foncé qui est très sympa aussi pour la Saint-Valentin. Ça change du traditionnel rouge. Et enfin, vous avez la version qui est un peu verte. Je dirais que ça doit être souffle d'écume ou quelque chose comme ça. Et qui est foilée en argent. Donc voilà, je trouve que cette collection est vraiment très sympa.
Et comme nous sommes toujours dans la période de Celebration jusqu'à fin février, j'ai eu droit à deux cadeaux grâce à ma commande, qui en fait c'était un pack qui était vendu ensemble. Donc voilà, j'ai eu droit à ce set-ci qui est un set de tampons clear, fruits d'abondance. J'ai choisi celui-ci parce que j'adore en fait ces tampons où vous savez, vous pouvez tamponner le fond et tamponner par-dessus la forme. Je trouve que ça donne vraiment un plus. On peut coloriser du ton sur ton, enfin on peut tamponner du ton sur ton, ou alors juste tamponner les feuilles dans une couleur et embosser dans du noir ou du doré par-dessus la forme du tampon. Et je trouve que ça donne vraiment toujours un super effet. Donc les textes en plus sont en français, c'est parfait. Et nous avons un set de papier que je vais essayer d'ouvrir proprement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur comme papier. C'est un set de papier, j'aime beaucoup les couleurs et ça me fait penser aux vacances. Hein. On aurait bien besoin de petites vacances et de beau temps surtout. Voilà, je vais essayer de sortir ça. Voilà, donc cette fois-ci, ce sont des papiers recto verso. Vous en avez deux modèles de chaque. Donc c'est très coloré, très printanier. Ça rend vraiment bien. Pardon, j'adore celui-ci. Pareil, qui est vraiment très coloré, avec des petites fraises, des petites feuilles et l'arrière à carreaux. Des petites myrtilles. Voilà. Avec un fond bleu un peu... J'aime bien, ça fait un peu effet aquarelle. Des petites mûres avec un fond violet. Encore des fraises. Voilà, encore des petites fraises avec ce fond rouge et jaune. Et enfin, ces petites framboises avec un fond vert avec des feuilles. Voilà, donc tout ça, c'était en cadeau. Donc ça vaut vraiment le coup en ce moment hein, de passer une commande, déjà parce que le nouveau catalogue est vraiment beau, et ensuite parce que eh bien, tous les 60 euros d'achat, vous avez des cadeaux qui sont d'une valeur voilà, non négligeable pour des cadeaux, hein, c'est pas un cadeau à 5 euros. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai commandé pour le mois de mars. Je vais commencer à m'amuser avec ça, j'ai commencé un peu avec les petits kangourous et j'ai hâte de vous partager sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook que vous trouverez en barre d'infos en dessous, mes petites créations. Et si jamais vous avez besoin d'informations, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine.